Et coucou, c'est Prince Dina, donc je suis tout seul. C'est pour ça que la caméra et le son vont peut-être être bizarres, parce que c'est la première fois, l'une des premières fois où j'installe tout seul. Donc c'était pour vous dire. Donc si Princesse n'est pas là, c'est tout simplement parce que là on va pas se voir pendant 2 semaines et je préfère vous dire ces annonces le plus vite possible. Donc déjà, pour commencer, le planning va sûrement changer à partir du mois de septembre, aux alentours du mois de septembre. Où on va sûrement mettre donc la vidéo des chroniqueurs en général sera toujours postée le mercredi si on en a une. Les vidéos annonces que donc comme celle-ci sera postée bah, dès qu'elles sont finies comme d'habitude. Donc on va garder une vidéo le dimanche. Une vidéo le dimanche. Non, on risque d'enlever la vidéo le dimanche pour soit la mettre le vendredi, pour justement laisser le dimanche une nouvelle sorte de vidéo qui sortira aussi toutes les semaines tant qu'on peut tenir. Je vais pas vous dire exactement enfin qu'est-ce qui va s'y passer parce que c'est un peu la surprise. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est Princesse qui s'en occupera. Voilà. Donc dis-moi dans dans le sondage que je vais poster ce qui vous intéresse le plus. Est-ce qu'on garde les vidéos qu'on fait actuellement le dimanche, les Disney épisodes, les ouvertures de courrier, tout ça, tout ça. Est-ce qu'on les garde le dimanche ou est-ce qu'on les transfère le vendredi? Donc vous pourrez voter dans le sondage. Et si vous dites oui, donc du coup, ça ne bougera pas. Si vous dites non, ça sera les vidéos de Princesse seule qui sortiront donc le dimanche et donc l'autre vidéo le vendredi. Donc on aura une vidéo le vendredi et le dimanche. Ça peut changer d'ici là, mais c'est juste que comme on va passer à 2 vidéos de moi et Princesse par semaine, je voulais voir avec vous qu'est-ce qui vous intéresserait le plus. Et le vendredi, pourquoi le vendredi? Simplement parce que comme avec Princesse, on tourne le dimanche. Quand on poste une vidéo le dimanche, on n'a pas le temps de voir ensemble les retours qu'il y a dessus parce que en général le dimanche est vers 18h et Princesse part du studio aux environs de 18h. Donc là, une vidéo sortie le vendredi, on pourra voir les réactions et même répondre aux commentaires le dimanche. Sinon, une bonne et une mauvaise nouvelle, ça dépend pour vous. On risque de soit d'annuler, soit de vraiment rétrécir certaines vidéos, dont les blind tests, les ouvertures de courrier. Et les goûter sûrement parce que ça, on continue à adorer le faire, mais le problème c'est que du coup la chaîne ça commence à devenir une chaîne un peu de vlog, vous savez, où les gens parlent de leur vie et tout ça, et c'était pas du tout notre but au départ. Donc bien sûr, si vous nous envoyez des courriers, on continuera à le faire, mais on en ouvrira beaucoup plus dans une seule vidéo du style, peut-être qu'on en fera que 2 ou 3 par an de ce genre de vidéo parce que vraiment. Mais vraiment, je comprends certaines personnes qui sont adultes ou qui viennent sur la chaîne pour les véritables histoires, pour les Disney épisodes et tout ça, que de nous voir goûter des bonbons et des trucs comme ça, c'est pas. Après, vous allez dire oui, mais vous faites bien ce que vous voulez sur votre chaîne, tant que vous aimez. Oui, c'est vrai, on aime bien le faire. Mais c'est juste que il y a plein de gens qui le font déjà. Et si vous voulez regarder des gens qui goûtent des bonbons, il y en a des milliers. Enfin, en plus de nous et sûrement des gens qui le font mieux que nous. Donc dites-nous pareil aussi dans les commentaires. Je vais mettre un sondage et dans les commentaires, n'hésitez pas à débattre là-dessus. Je vais essayer de mettre un sondage pour savoir si vous voulez qu'on continue à le faire. Mais on continuera, je pense, parce que les courriers, c'est quand même trop sympa de votre part. Donc oui, on continuera. Les swaps, c'est plus intéressant, par exemple. Mais on va pas vous forcer à nous envoyer des gros colis comme Leslie et Miley l'ont fait. Donc voilà, il me semble que c'est tout. Les goûters, bah, c'est super sympa aussi pour nous, mais au bout d'un moment, on fait que des trucs la Reine des Neiges. Et des trucs comme les céréales, par exemple, c'était super sympa parce que c'est original. Mais je veux dire, juste goûter des bonbons, comme vous les avez pas vus, parce qu'il y a plein de goûters d'avance. Hein, vous allez voir, c'est pas fini pour vous. Mais voilà, on fera vraiment que les trucs très originaux. Et voilà, sinon notre petite annonce, ça a été validé, je peux bien venir à Disneyland au mois de septembre, je vais réserver aujourd'hui même, je viendrai avec ma soeur, peut-être mon frère, je ne sais pas encore, je ne vais pas organiser une rencontre abonnée exprès parce que déjà il n'y a pas Princesse et les successeurs de Disney pas ensemble, c'est un peu triste quoi. Je vous dirai quel jour j'irai, mais je vais pas vous donner un rendez-vous quoi, donc après. Après, on verra, on en reparlera sûrement d'ici là. Donc voilà pour les nouveautés, c'est pas vraiment des mauvaises nouvelles, mais voilà. Donc on se retrouve, si tout va bien, vendredi on poste une vidéo spéciale sur notre avis sur Zootopie. Oui, il est sorti il y a longtemps, mais vous êtes très nombreux dans les lives à nous en parler, donc on va le faire rapidement avec Princesse. Donc si tout va bien, le jour où je tourne cette vidéo, on est mercredi,
Princesse peut peut-être venir demain soir, donc peut-être vendredi, voilà, dans la journée. Eh ben, encore merci, n'hésitez pas donc à bien répondre au sondage, à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et encore et toujours, merci de nous suivre et d'être avec nous. N'oubliez pas le live FAQ le 28 août à 17h. Je vais y arriver. Et donc, pour tous ceux qui sont intéressés, cette vidéo sera postée le jour où je la tournerai, donc aujourd'hui. Ce soir, sur ma chaîne secondaire, qui s'affichera aussi dans l'affiche, il y a un débat avec Safira, voilà, un débat en live sur sur ma chaîne secondaire. Excusez-moi, j'ai du mal. Aujourd'hui, sans princesse, je me sens un peu seul. Allez, bisous, à plus!